Le sud marocain connaissait des précipitations records qui ont provoqué des dégâts considérables et tué plus d'une trentaine de personnes. Dans le même temps, aux États-Unis, en un an, le pays a été traversé par deux vagues de froid qui sont également un record séculaire, avec des baisses de température considérables de plus de 20 degrés, parfois en une seule journée. C'est le groupe de construction Shimizu, au Japon donc, qui lance le projet Ocean Spiral, qui se propose de résoudre le problème de la montée des eaux que nous connaissons déjà du fait de ce dérèglement climatique et qui menace un certain nombre de territoires, là où en général les populations vivent, aux abords des mers. Le projet Ocean Spiral se propose de construire, ni plus ni moins, une ville marine, une ville sous la mer, d'ici 2030. Une ville de 5000 habitants. Autant dire que nous sommes loin de trouver une solution au déplacement des populations de ces 600 millions de réfugiés climatiques et que les places dans cette ville y seront certainement très chères. En bref, les riches sont en train de se sauver tranquillement des conséquences qu'ils ont causées sur le climat. Et je renvoie vers le livre de notre camarade Hervé Kempf, « Comment les riches détruisent la planète ». Pollution toujours aux particules fines. On apprenait dans la presse récemment qu'une vaste enquête sur la pollution de l'air à Paris révélait que à chaque pic de pollution, un simple marcheur, piéton, dans la rue à Paris, respirait en particules fines, ces particules de pollution extrêmement dangereuses, équivalait à être dans une pièce de 20 mètres carrés en compagnie de 8 fumeurs. On est donc sur des records de pollution qui, s'ils ne sont pas encore ceux de la Chine, qui rendent absolument invivables certaines villes de Chine, menacent très clairement l'espérance de vie des franciliens et au-delà des populations des grandes villes françaises. On estime qu'un habitant de l'Île-de-France à 30 ans a déjà perdu 6 mois de son espérance de vie à cause de ces particules fines. Alors l'origine de ces particules fines, ce sont bien sûr les voitures, pour 25% des émissions, et puis l'industrie, 30%, l'agriculture, 15%, et un certain nombre d'autres causes comme le chauffage au bois, par exemple. La mairie de Paris parle d'interdire les véhicules diesel dans le centre de Paris. Ça ne pourra qu'améliorer en effet la situation, même si ce type de solution est largement inférieur. On serait partisans, nous, davantage d'une interdiction complète des grosses cylindrées et puis peut-être du développement massif des modes de circulation doux, vélo, transport en commun gratuit, etc.